Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Hier, j'ai découvert un challenge, je crois moi, qui va changer beaucoup de vie. Franchement, je parcourais voilà, les actualités sur Facebook et je suis tombée sur une page. Mais l'idée est tellement ingénieuse que je ne voulais pas la garder pour moi. Peut-être que parmi vous, certaines personnes connaissent déjà le challenge là, mais pour les personnes qui ne le connaissent pas encore, moi, j'ai décidé de vous en parler et si vous êtes intéressé, voilà, je vais mettre le numéro de la personne en bas et après, vous pourrez contacter la personne, voilà, tout simplement. Donc, il s'agit du challenge des 52 semaines. Le challenge des 52 semaines. Je vais maintenant vous expliquer comment ça se passe. Alors, une année est composée de 52 semaines. Cette structure-là a mis en place une caisse. C'est la caisse des 52 semaines. D'accord? Donc là même, ils ont écrit qui n'épargne pas un sou n'en aura jamais deux. Donc vous voyez cette longue caisse-là, c'est la caisse des 52 semaines. Et il y a les différentes semaines qui sont placées. Donc depuis la première semaine, donc vous voyez là, c'est S1, depuis la semaine numéro 1 jusqu'à la 52e semaine de l'année 2022. Voilà, la caisse des 52 semaines. Et le challenge, c'est le challenge des 52 semaines. Être en mesure de mettre l'argent dans la caisse une fois par semaine jusqu'à la 52e semaine de l'année. Mais on ne met pas les sommes comme on veut. Voilà, il y a un principe. Et c'est ce principe-là que je vais vous expliquer maintenant. Donc, comme je disais, il y a une manière de mettre l'argent dedans pour le challenge. Tu peux commencer avec 100 francs, 200, 300, 400, 500, 1000 francs, 1500 ou 2000. 100 francs, 200, 300, 400, 500, 1000 francs, 1500 ou 2000. Je vais prendre le cas de quelqu'un qui commence par exemple avec 500 francs. Donc cette semaine-là, je mets 500 francs. La deuxième semaine, je mets 1000 francs. La troisième semaine, je mets 1500. La quatrième semaine, je mets 2000. Ça veut dire que plus chaque fois qu'une semaine passe, tu mets 500 francs de plus que ce que tu avais mis la semaine précédente. Jusqu'à la 52e semaine. Par exemple, si on part sur la base toujours des 500 francs, à partir de la 46e semaine, par exemple, tu devras mettre 23 500 dans ta caisse. Vous voyez, non? Donc, chaque fois, tu mets 500 francs de plus la semaine suivante. Donc, la structure qui commercialise ces produits-là, nous ne sommes pas en partenariat, je ne les connais pas. Voilà, donc je ne pourrai pas vraiment répondre à toutes vos questions si vous en avez. C'est pour ça que je vais mettre les numéros de téléphone en bas en commentaire pour que vous puissiez les contacter. Donc moi j'ai pris ma caisse et mon mari a pris sa caisse. Il va commencer avec ce qu'il peut. Moi je commence avec mes 1000 francs chaque semaine. Si ça vous intéresse, bah, vous allez tout simplement contacter la structure et puis commander vos caisses. Voilà, bisous.